Bonjour, nous sommes toujours pour cette 35e édition des Francofolies et aujourd'hui je suis accompagné du groupe September Boy qui est composé de Florian, de Luc. Bonjour les gars. Salut. Salut Nice TV. Alors moi je voulais savoir déjà pourquoi September Boy et pourquoi pas April Boy. Pourquoi pas. On nous pose souvent la question effectivement. September en fait c'est une période. Le groupe a été créé, c'est mon projet à la base, je précise effectivement. C'est une période de transition, ça s'est fait un mois de septembre. Je venais de terminer un groupe un peu plus amplifié, un peu plus avec des grosses guitares remplies, etc. Et j'avais en tête depuis très longtemps de faire quelque chose de plus guitare-voix, acoustique. Ça s'est fait un mois de septembre. Et puis j'ai écouté ce morceau de Green Day, que j'adore, un groupe californien de punk rock aussi, qui avait fait ce morceau qui s'appelle Wake Me Up When September Ends. Tout à fait, ouais. Super morceau. Et quand j'ai écouté ce morceau, je me suis dit, ah, j'adore et je veux faire un truc aussi électro-acoustique. Et on est au mois de septembre et je me suis dit, bon, mon petit bonhomme de septembre, il est là. Donc September Boy, il est né. Et donc voilà. Alors, cette première participation aux Francofolies, c'est la première fois que vous venez aux Francofolies, ouais, d'ailleurs, exactement. Vous participez aux Francof, ouais. Vous êtes produit hier. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour vous les Francofolies? Tu veux répondre? Pour moi, c'est assez impressionnant en fait de voir cette masse de gens, de voir toute cette organisation et de voir que ça se passe extrêmement bien, qu'il y a un super climat, que tout le monde est vraiment bienveillant avec nous. Moi, j'adore et je reviendrai volontiers aux Franco. Alors on l'a pas dit, mais vous êtes de la région parisienne, vous êtes originaire de Paris. Ouais, c'est ça. Est-ce que entre Paris et le festival des Francofolies de La Rochelle, est-ce que vous sentez une différence d'un point de vue du public? Est-ce que le public est le même ou est-ce qu'il y a un public différent suivant? Il y a une ambiance différente déjà, en fait. C'est-à-dire que là, on a l'impression déjà d'être carrément en vacances parce que c'est bord de mer et les gens sont en vacances aussi. Il y a beau y avoir des festivals dans la région parisienne comme les Solidaises ou le Lollapalooza qui ont lieu juillet chez nous, c'est pas la même chose. L'ambiance est pas la même. Là il y a vraiment le côté vacances. On voit des parents avec leurs enfants en bas âge et familial. C'est assez différent des gros festivals qu'on peut avoir en région parisienne parce que là pour le coup c'est vraiment les gens viennent pour écouter la musique. Ici c'est les gens sont en détente, il y a des super groupes qui sont connus nationalement, donc ça draine énormément de public, mais il y a le côté plus cool qui est pour moi vachement agréable. Exactement. Alors, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes produit donc hier soir. Est-ce qu'il y aura d'autres concerts prévus pendant ce festival? Alors là, effectivement, on joue ce soir à l'avant-scène, à la coursive. Et alors, pour la suite des concerts, en fait, on va plus être concentré sur notre sortie d'album qui se fait fin septembre. 27 septembre précisément, c'est le deuxième album pour nous, donc du coup on sera plus concentré sur cette sortie d'album. Les prochaines dates, grosses dates, c'est à Montréal au Canada, au mi-août. Voilà. On invite tous les auditeurs et spectateurs du coup à venir nous voir jouer à Montréal. Et ben on va suivre ça avec grand intérêt. September Boy, le groupe, Florian, Luc, deuxième album qui va arriver, il y a une date de sortie déjà de prévu. 27 septembre. 27 septembre, en plus je l'avais dit, je suis désolé. 27 septembre, September Boy, regardez-les, vous restez pendant tout le festival? On repart dimanche, oui, on l'a jusqu'au bout. Ils seront là, donc n'hésitez pas à venir les découvrir, on va avoir d'ailleurs on va avoir une petite presta, je pense, pour nous, là, ça va être sympa. Exactement. Ça d'ailleurs, donc vous allez voir ça tout de suite, merci. Merci, merci à vous. Merci Luc, merci Florian. Merci, merci à vous. Say you'll try it, feel the winds, watch them flying high and free, watch them swimming in San Francisco Bay. Take my hand now, come on, fly with me. Let's go and ride the world, 'twill be a stronger trip, yeah. Let's go and save the world, 'twill be the travel dream. Climb the
Yeah, that's the great escape. You feel the snow, I think it's magical. You will see it. That's the goal. Take my hand now, come on, fly with me. Let's go and ride the world. It will be a stronger trip, yeah. Let's go and save the world. It will be the travel dream. Travel dream, travel dream, yeah. Travel dream, oh, travel dream, travel dream, yeah. Travel dream, oh, travel dream, travel dream, yeah. Travel dream, oh, travel dream, travel dream, yeah.